Bonsoir à tous. On va continuer ce petit jeu, tranquillou. Faut juste que je me rappelle où on est. Ah ouais, on était arrivé dans une nouvelle zone que je vais explorer, ma foi. Ouais, c'est vrai, faut que je reprenne en main. Ça fait, on a toujours un petit moment de reprise en main quand on joue pas à un jeu quelque temps, quoi. Bon, ouais, ça fait 2 jours, hein, mais peut-être un peu plus. Mais vous m'avez compris, quoi. Salut, je suis Amox et je suis historien. Ben, ma foi, c'est bien ça, tout ça. Tu es le garçon de Motorland, n'est-ce pas? Je comprends que vous avez de grandes bêtes de métal qui dévorent de grandes quantités de charbon pour offrir du travail dans votre pays. C'est une solution extrêmement excitante. Dites, fournissez-vous des couteaux et des fourchettes à ces bêtes de métal? Leurs estomacs ont-ils évolué tout spécialement pour ne digérer que du charbon? Cela semble vraiment peu pratique. Pourquoi ne fabriqueriez-vous pas plutôt des machines? Vous devriez écouter Tante Enoch. Elle en sait beaucoup, mais elle ne sait pas tout. Mais pas loin. Allez donc. Sacrée femme, Tante Enoch. Merde, c'est pas ce que je voulais. Ce n'est absolument pas ce que je voulais. Ah, donc c'est des maisons décoratives. Ok, on en est là. Ok, quoi. Ok, donc il y a des maisons décoratives. Qu'est-ce que c'est que ça? Nether. Coucou, Dodo, prêt pour ce soir? Écoute, coucou, Nether. Et ouais, je suis prêt pour ce soir, j'ai trop hâte. Genre, vraiment, je... Bah, comme toi, comme beaucoup, mais... Je suis excité de ouf. Genre, même s'il n'y a pas de Zelda à foison, de tout ça, j'ai trop hâte de savoir ce qu'ils vont nous proposer. Surtout à propos de Smash, je sais pas si tu connais. C'est un jeu que j'apprécie tout particulièrement. Non, je rigole, je troll, mais en vrai, j'aime trop cette ambiance de Nintendo Direct. Genre, on sait qu'on va avoir des infos, tu vois. Quelle soit, mais c'est obligé que sur 50 minutes, il y a des infos dont je vais me foutre. Mais genre, j'ai trop hâte de savoir ce qu'ils vont proposer. C'est un peu comme l'E3, tu sais, à l'époque où je jouais pas encore à PlayStation, Xbox, tout ça, en plus de Nintendo, je m'en foutais un peu des jeux, puisque je pouvais pas y jouer, mais ça m'intéressait quand même de savoir, tu vois. C'est enivrant. Salut, je vends... Bon, t'es un bâtard, toi, tu vends des animaux. Je t'aime pas. Va attendre ma vue. Et toi alors, mon gars, t'es prêt? Forcément, je pense. On en parlera de façon... je sais pas si c'est utile de venir 30 minutes en avance pour spéculer un peu, mais c'est ce que j'avais prévu, je sais pas ce que t'en penses. Ça peut être drôle s'il y a beaucoup de monde. Enfin, si on est quelques-uns pendant une demi-heure, parlouiller un peu sur ce qu'on attend, quoi. Donc si t'as des trucs à dire, au fait, je voudrais t'invoquer. Pourquoi pas? En vrai, pourquoi pas? Ça peut être intéressant. Si on se dit qu'il n'y a pas de... Tu sais, comme hier. Hier, c'était cool, ça s'est plutôt bien passé. Juste, moi, les vox, ce qui me fait un peu peur à chaque fois, c'est que ça parte en couille. Mais si on se dit, ok, on reste courtois, tout ça, pourquoi pas, tu vois? Michel, oui, Forever Tonight, oui, c'est moi. Ah, donc ton vrai prénom, c'est Michel Elias? Putain, je savais pas. Bien, maintenant que nous sommes tous à la même page, la machine météorologique est au milieu du lac, entourée par les eaux. Pour le moment, elle gît calmement, car elle a besoin de 3 noyaux de commande pour fonctionner correctement, ainsi que d'un moyen pour l'alimenter. Mais je pense que vous allez kiffer ce jeu. Oh là là, Dodo qui commence à apprécier les vox. Bah, j'ai toujours aimé, hein, mais moi je préfère, c'est trop bien, parce que je me sens moins seul, tu vois.
que d'être face à une caméra et attendre vos réponses à l'écrit, c'est compliqué. D'être streamer, c'est pas facile, mais surtout quand on est un streamer pro. Mais non, je kiffe trop. En plus, je suis content de ma communauté. Vous êtes tous très cool. Juste, j'ai toujours peur que ça parte en couille. Mais si on se dit, vas-y, on reste calme, etc. Voilà, bah ça peut être cool. Ça peut être cool. Un Tokyo, t'en penses quoi? Je sais pas où il est. Bah, je le vois nulle part. Trop bizarre. Il y a de cela bien longtemps, nous avons fait en sorte de désactiver la source d'alimentation lorsque les terribles pouvoirs de la machine furent révélés. Pourtant, à cause d'une certaine ingérence étrangère, il existe un moyen alternatif de l'alimenter qui est malheureusement aux mains de Tycoon. Cela dit, les noyaux de commande lui manquent encore. Nous devons les retrouver avant lui. D'accord, mais où sont-ils? Bien, je ne suis qu'un vieil homme, tu sais, et cela fait si longtemps. N'êtes pas sérieux? Ne deviens pas insolent. Tu ne peux t'attendre à ce que je me souvienne de tout. Est-ce que tu aimes explorer, mon petit, l'aventure, ce genre de choses? Moi, j'adore. J'aime les aventures, c'est clair, mais... Maintenant, comme je l'ai déjà dit, il y a trois noyaux de commande. Il est très important pour nous que nous retrouvions. Eh, Lumina, peut-être... Quoi, parle Fruluquet. Lorsque nous sommes arrivés au temple où il y a la neige, la femme a volé quelque chose avant que nous ne puissions l'arrêter. C'est certainement regrettable. Mais il en reste toujours deux, que nous retrouverons sans aucun doute. Si seulement quelqu'un pouvait se rappeler où il faut aller. Je vais faire de mon mieux pour t'indiquer la meilleure direction. Bon, tu as dit l'un des deux volés a déjà été volé du temple dans la neige. Ça ne fait rien. On doit chercher dans d'autres temples. Profond sous la terre, il y a deux temples. Bon, bien sûr que oui, c'est parti en steak vu ce délire sur moi. Des orflammes. Alors Michel, je ne m'appelle pas Michel. Mais non, mais au pire, si je vois que ça part en couille, je coupe l'audio et j'attends que vous vous calmiez. Si, car tu peux dormir plus de 15 minutes. Waouh, vous êtes dans un délire. Hein. Parce que j'imagine que s'il y a du Silksong, par exemple, j'en connais un qui va gueuler sa race, ça va être bizarre. Donc au pire, je couperai l'audio et je remettrai quand il se sera calmé. Suivez mon regard. Bah, on peut essayer, ça peut être une idée. L'un d'eux est gardé pour un être menaçant des eaux profondes. Par un être. Putain, on dirait vraiment un Zelda. Hein. L'autre est verrouillé par d'étranges clés. Et le dernier? Non. Mistenok, y aura-t-il des grues là-bas? Il pourrait y en avoir, mon garçon. Mais vous avez montré que les grues ne sont pas de taille contre vous, n'est-ce pas? Si vous coopérez, vous y arriverez, j'en suis sûr. Bien. Bien, au moins, nous avons la direction. Vaguement. Ne soyez pas impertinente, jeune dame. Eh ben, on a bien parlé. Je n'aime pas parler, j'aime bien frapper. On avait compris ça. Tu es un vrai rayon de soleil, n'est-ce pas? Bien le bonjour. Oh non, lui c'est celui qui vend des animaux. Regarde les Cornelius. Ou alors une situation qui sort complètement de mon imaginaire, quelqu'un qui rigole tout seul. et qui du coup se fait auto-rigoler et re-rigole encore. En fait, c'est qu'il ne faut pas dormir plus de 15 minutes, sinon il y a des chances de mourir. Pas du tout, je peux dormir, c'est compliqué, plus de 2-3 heures. C'est chaud quand même d'avoir si peu besoin de dormir Nether. Moi j'aimerais trop être comme toi. Ma grand-mère elle est pareille, hein. Elle se couche à 4h du mat et elle se lève à 9h du mat quoi. Moi plus je dors, mieux je me porte. Hein. Mais vas-y, mais t'arrases-toi avant de tes animaux, ça se vend pas les animaux en fait. Vous semblez être le client idéal. J'avoue qu'il serait utile d'en avoir quelques-uns sous la main. Oh là là. Quelle pub je fais. Mais je ne peux pas emporter une cache toutes mes aventures. J'ai ce qu'il vous faut. Ce sac peut contenir n'importe quel nombre de créatures. Ah bah d'accord. Vous savez quoi, puisque c'est votre premier achat, ce sac est entièrement gratuit. Ah bah enfin, je vais pouvoir acheter des trucs. Putain, vous savez que j'ai quand même joué déjà entre 4 et 6 heures à ce jeu-là, et enfin, je peux utiliser mon argent. Je pense qu'il est bien bien long ce jeu. Maintenant, achetez-moi un monstre, une petite boule de poils. Capturez les créatures sous contrôle, relâchez-les au moment opportun. J'ai vu ça, mais genre. Bon, mec. Bah, mec, c'est une maladie, je ne peux rien faire. Ouais, non, mais je sais bien. Si, animalisme. Bah, tu sais que ça va être bientôt interdit, la vente d'animaux dans les animaleries, Elias. Et ça, c'est une très bonne nouvelle. Oh, ça va.
Comment je vois ce que j'ai? Ok. Je vais en prendre plein parce que ça explose. Ceux-là, ils explosent. Neuf, sept. Vas-y, j'en prends 10 de chaque pour l'instant. Et ça, c'est quoi? Route Rascal? Mais... Vas-y, ça coûte 2 de toute façon. Je vais pas me ruiner. Ah oui, mais il reste ça. Shoot Rascal. Ok, alors moi je ne vois pas quel problème ça pose de transformer les êtres vivants en objets avec de l'argent. Ah oui, mais c'est clair, c'est juste moi, c'est pas grave, l'esclavagisme moderne, il n'y a aucun mal. J'avoue que... Non, c'est moi, c'est mon petit caprice. C'est mon petit caprice, mais en effet, je suis d'accord avec toi. Enfin, ça va, ils vont pas en plus râler, déjà ce qu'on s'occupe d'eux, ça va. Je sais bien que c'est faux, c'est un troll. J'ai toujours dit que nous sommes supérieurs. Ouais, mais le pire, c'est que t'as raison, en vrai. Moi, j'aime pas savoir qu'on est supérieur, mais c'est vrai qu'on est supérieur. Mais est-ce que... L'idée, c'est est-ce qu'on est légitime pour profiter de nos supériorités? C'est ça qui me pose problème. Après, oui, c'est vrai que les faits sont là. Je pense qu'on est l'être vivant le plus supérieur. Puisqu'on a beaucoup de moyens, on a beaucoup de conscience, on a... Il y a un moment où il ne faut pas se voiler la face, mais j'aimerais qu'on soit sur un pied d'égalité, en fait. Qu'on n'ait pas le droit de vie ou de mort sur un autre être vivant. Quel qu'il soit, pas qu'humain. Vous remarquerez que dans ce jeu-là, les musiques sont très sympas. D'ailleurs, elle est peut-être pas très très forte parce que j'ai beaucoup baissé l'audio. Mais en vrai, ce jeu est très cool. Je pense que tu vas kiffer, Elias. Et Nether, je sais pas trop si t'es trop dans ce délire-là. Mais c'est très très cool. C'est très Zelda-like, énigme et tout, musique cool et tout. Moi, je dis que tant que ça fait du mal aux autres, je trouve ça bien. Ah oui, c'est vrai. Mais toi, t'es un vilain, toi. T'es un méchant, t'es un troll, toi. Ces terres seront parfaites pour racines de larmes. Ok, en fait, ça parle trop, par contre. C'est le problème. Mais si on se fait un vocal ce soir, Elias, est-ce que tu serais en capacité et en mesure de me dire maintenant que t'essaies de pas trop troller et de pas trop faire en sorte que ça part en couille? Ouah, c'est beau. Ce serait trop cool. Comme ça, on pourra en refaire, tu vois. Parce qu'en vrai... Je sais que je suis personne, mais c'est rare quand même les vocaux avec des streamers. Bon, certes, encore une fois, je suis personne, mais je connais peu de streamers qui font des parties vocales avec beaucoup de leurs viewers, avec des potes certes, mais avec de leurs viewers. Après, je vous considère un peu comme mes potes, mais même je vous considère comme mes potes puisqu'on se parle tous les jours. En vrai, faut dire ce qui est. Mais juste, j'ai pas envie que ça parte en couille. Trozer, un troll, mais pas un FDP. Non, c'est vrai. Bah, je sais pas pourquoi il m'a dit de venir là. Non, du coup, il m'a pas dit de venir là. Du coup, on va se re-TP ici. En fait, pour l'idée, vous voyez, on peut se TP, il y a une carte et tout, avec plein de trucs différents, il y a des donjons, machin, et t'as des personnages avec des habilités différentes, donc des capacités. Donc c'est clairement un Zelda, quoi. C'est drôle parce que justement, Kolb Grom, là, sur le Discord, il était passé, et, grâce à ce jeu d'ailleurs, parce qu'il connaissait et tout,
Et ce qu'il me disait, c'est que lui, il voyait plus le jeu comme un hack and slash. Mais j'avoue que je vois tellement pas le côté hack and slash, à part... hier, on a joué à Darksiders Genesis, ça, c'est un hack and slash. Mais ça, c'est totalement un jeu d'aventure, exploration, Zelda, quoi. Je vois pas de... Mais bon. Tu vois, la dernière fois, je me suis quand même tenu à carreau. Non, mais c'est vrai, hein, je précise que hier, c'était très cool, par exemple. Il se passe pas la même chose quand je suis avec d'autres personnes. Mais c'est ça, en fait, c'est que là, si on est plusieurs, et qu'en plus, il y a l'émulation de Nintendo, et que, ah, putain, trop bien, il y a mon jeu, mon annonce que je kiffe et tout, ça va partir en couille. Mais au pire, je vous coupe et vous vous calmez, et voilà. Mais sans méchanceté, mais tu vois. C'est juste que j'ai pas envie que ça parte en couille. Enfin bon, je me répète, mais... Alors c'est elle qu'il me faut. Mais c'est vrai, en plus hier c'était très cool et voilà, et merci. Et j'ai beaucoup apprécié la soirée d'hier. Et c'était même, en plus c'était carrément imprévu, donc c'est ça qui est drôle. Ouais. Bon, t'es censé marcher. Hein. Voilà. C'est... Ok. Ah bah voilà. Je pense qu'à 23h, je vais m'abstenir de gueuler. Ouais, j'avoue. Ça vous tente qu'on se rejoigne un peu vers 22h30, histoire qu'on chill-chat un peu avant, et que comme ça, après, on lance le... Putain, j'ai trop hâte, les gars, franchement. Oh, ce que je disais à Nether juste avant que t'arrives. Enfin, je sais pas depuis quand t'es là, mais... Mais franchement, quoi qu'ils annoncent, je suis trop content en fait. Ils vont forcément me faire plaisir, même si c'est que un jeu, tu vois. Même un jeu indé. Genre, je suis là depuis Michel. Oui, bah oui, je me doute, mais... Vas-y. Tu y vas, Nether ? Bon, et je vois pas trop... Le seul problème aussi dans ce jeu-là, c'est que faut explorer. C'est pas un problème, mais il y a des fois où c'est pas clair. Imagine ce jeu seul, c'est Smash Bros. Ouais, ça me ferait chier. Là, pour le coup, ça me ferait un peu chier, j'avoue. Mais c'est pas possible. Ce sera donc Smash Bros. Un peu en décalé, Nether, non? Vous avez passé une bonne journée, sinon, les amis? Moi, je vous avoue que c'était pas facile. C'est la journée où il faut rendre plein de trucs. Donc, on s'en est sorti, mais c'était fatigant. Comme ça fait 530 jours qu'il n'y a pas eu. Ouais. Putain, c'est fou quand même. Hein. C'est franchement. Après, je pense que le Covid a beaucoup joué, malgré tout. Je sais même pas s'il l'affirme ou pas, mais ça a beaucoup joué. Parce que c'est pas logique, il nous avait habitués à des... Ah non. À beaucoup de directs. On a eu que des partner showcase et des mini. Putain, là, c'est un vrai de vrai, quoi. 50 minutes, quasiment une heure. J'ai l'impression d'être à l'E3, les gars. Et ouais, mais c'est vrai que toi, Elias, t'es en vacances. Tu fais quoi de tes journées alors? Au fait, les gars, j'ai pris Hades sur Switch. J'ai craqué. Et en fait, j'ai un truc pour vous voyez, avoir un peu une assise un peu mieux pour jouer. Mais je pense que je vais prendre le Split Pad Pro, là. En fait, j'attends de voir ce soir s'ils en annoncent un, genre officiel Nintendo. Sinon, je prends le Ori qui reste officiel quand même, mais licencié Nintendo et... Parce que j'ai envie de jouer bien, quoi. Pas une Nintendo Direct. Ils ont pas le droit de rater, sinon ils vont se prendre les chutes. Ouais, c'est vrai. Clairement, là, ils sont obligés. Je pense que tout le monde les attend au tournant. Là, faut qu'ils déchirent, là.
Je leur fais confiance, hein. Mais ouais, en vrai, faut pas trop qu'ils parlent de ce match au-delà de ce que je pense de moi. J'ai dit Asie pour qu'on se rejoigne à 22h30. Ok, mais t'es en décalé, non, Nether? Parce que j'ai vraiment l'impression que tu réponds plus tard. Ce qui est pas très grave, mais ou alors peut-être tu joues en même temps. Ah ouais. Moi, je pense que t'es en décalé, mec. Faut que j'aille chercher un autre perso. Et du coup, ouais, tu fais quoi de tes journées, toi, Elias? Merde. Rien. Ah merde. Mais tu joues pas? Pourtant, t'es en vacances, autant en profiter. Tu sais que moi, dès que j'ai... Enfin, peu importe, on vit la vie qu'on a envie de mener, mais moi, dès que j'ai du temps, je me bute. J'ai trop de trucs à faire, quoi. Des séries, des animés, des livres. Merde. Des jeux. Je joue en même temps. Ah oui, tu joues à quoi, Nether? C'est ce que je me disais, ouais. Tu joues à quoi? Rocket League? Ou Smash? Pour être prêt pour le prochain pack de persos qu'ils vont annoncer ce soir. Moi, je pense qu'ils vont annoncer un pack de persos. Je vois pas ce qu'ils pourraient annoncer d'autre. Pour le coup, sans troll, encore une fois, je précise, il y a quoi de plus à annoncer sur ce jeu, à part des nouveaux persos? Bon, de toute façon, on en parlera tout à l'heure. Mais qu'est-ce que je voulais dire? Je sais pas si je vous ai... Enfin si, ouais, je vous l'ai dit, mais vous avez pas trop réagi, ce qui n'est pas très grave, mais... Est-ce que vous connaissez un peu les dramas coréens? Parce que j'ai commencé les dramas coréens sur Netflix, et j'aime trop. Genre vraiment, je suis à fond. Tu veux de l'âne de Shrek? C'est lui ou pas? C'est le petit ou... J'arrive pas à voir. Tu joues à Among Us? Ah ouais, t'arrives à jouer à Among Us et me parler? Aïe donc. GG. D'ailleurs, c'est la réflexion avec ma team tout à l'heure, mais Among Us, c'est partout, sauf sur Play, en fait. Il va annoncer un perso? Bah oui. Ça doit être que ça. Et ouais, Among Us, c'est que sur, c'est partout. Switch, PC, Xbox, téléphone, même téléphone, mais pas sur PlayStation. En fait, je sais pas... C'est bizarre. Ce serait logique qu'il l'annonce à un moment, non? J'explore, hein, comme vous pouvez voir. Je veux Jotaro dans ce match. Est-ce que tu penses objectivement que ce serait possible? Je suis pas sûr. Deux grosses licences comme ça. Mais bon. À voir. Pas possible. Non, je pense pas. Merde. Ah, du coup, ça a désave tout ce que j'ai fait. Bon, c'est pas grave, mais de toute façon, faut que j'aille à gauche. Mais, ah oui, mais je vais pas pouvoir. Ah si, je vais pouvoir. Faut que j'arrive ici avec... avec elle. Mais ce serait drôle, ouais, ce serait drôle. Comment je suis arrivé? Ah si... J'ai pris la grotte, non? Je crois que j'ai pris cette grotte-là. C'est ça. Et là... Oh! Il s'est trouvé au mauvais moment. Au mauvais endroit. Ah bah bravo.
j'ai mal aux yeux, je suis fatigué. Grosse journée. Ok. Ce jeu-là, les patounes, je l'ai eu pour 3 balles, genre. Et vraiment, j'en suis à 6 heures de jeu et vous voyez par vous-même la carte. Ça, c'est la carte du sous-sol. Et il y a aussi la carte normale. C'est assez fou, hein, quand même. Je veux aussi un abonnement premium qui mettrait les jeux de 64 et GameCube pour le 31 mars. J'adorerais. Mais gardez vos hypothèses pour tout à l'heure, parce que, genre, par pur souci de gênance, si je lance le live à 22h30 et qu'on parle pas et qu'on a déjà tout dit, c'est con. Donc, gardez vos hypothèses et vos trucs pour tout à l'heure, même si c'est grave intéressant. Comme ça, on aura de quoi parler tout à l'heure. Mais putain, mais je comprends pas ce qui s'est passé, là. Pourquoi je passe pas de l'autre côté, en fait, là? En fait, j'ai beaucoup joué parce que c'est... Voilà, mais alors pourquoi je peux pas aller là? Ah mais si, mais j'y étais tout à l'heure, avec ce champignon. Ah mais oui, mais je peux pas encore, je vois très bien. Ok, j'ai compris d'ailleurs. Bon, parce que là c'est l'autre côté avec là où il y a l'échelle. Et je peux pas y aller parce que c'est bloqué par les rochers. C'est pour ça. Bah du coup on va remonter. Alors ça j'ai toujours pas compris. Que comment j'ai eu ça et d'où ça sort. Et ça sert à quoi? Trop bizarre. Merde. Voilà. Bon. Ah, je suis obligé en soi d'aller là. Peut-être qu'il y a des trucs que j'ai pas trouvé ici qu'il faudrait que je trouve. Musique du coup, tu as vu Sakurai? Quoi? J'ai pas compris. Ce que tu m'as dit, c'est peut-être pas à moi que tu parles, peut-être tu parles à Nether. Il a trouvé le prochain Nintendo Direct un mois en avance. Ah oui, j'ai vu la vidéo, ouais. où on voit que c'est dans sa présentation là. Et d'ailleurs, je sais pas si vous avez vu, mais pour Xbox, ils ont annoncé un casque hier. Et en fait, il était déjà présent dans le trailer. Le trailer de Xbox pour la série X, Power Your Dreams, là. Donc les joueurs se sont dit, ah, il y a peut-être des trucs cachés ailleurs. Et ils ont regardé. Bon, ça m'intéresse pas spécialement, mais l'idée est intéressante. Ils ont regardé ailleurs sur. Sur la vidéo du frigo Xbox Series X là, qu'ils avaient fait en troll et tout. Et en gros, derrière, t'as des images de Viva Pignata. Donc les joueurs se disent que peut-être qu'ils vont relancer Viva Pignata. Voilà. C'est pas l'info du siècle, mais elle a le mérite d'exister. Je vais essayer de descendre. Ah, je suis pas encore venu ici.
Il y a des moulinos. Ah bah. Ok. Bon, ouais, c'est bizarre, il n'y a pas de... Peut-être qu'il faut que je le désactive. Ouais, donc je disais tout à l'heure, j'ai pris Hades sur Switch. Parce que j'ai envie d'y jouer un peu tout le temps. Enfin, pas tout le temps, mais quand je peux. Et du coup, je pense prendre le split pad pour pouvoir avoir une meilleure prise en main. Pratique son pouvoir, mais du coup je sais pas si c'est la personnage à faire venir ici. Quand même pratique cette Switch, hein. Elle est vraiment cool, hein. Faut se le dire, hein. Faut dire ce qui est. Le week-end je vais chez des gens, donc je pense que je serai dispo que le soir. Ce week-end. Ok, très bien. Mais tu sais d'ailleurs que Mario, c'est un enfer, hein. J'appelle la Fnac tous les jours, personne sait, peut me dire où est mon jeu. Il est quelque part, mais personne peut me dire où est-ce qu'il est. Donc j'attends des nouvelles, mais j'ai toujours pas, et ça me saoule. Donc ce que je voulais dire, c'est que je sais pas à quoi on va jouer ce week-end, mais voilà. J'ai plein de jeux, hein, mais c'est pas ça qui manque, mais c'est plus que je sais pas encore. En fait, j'attendais d'avoir des news de Mario, quoi. Fait chier. Fnac de mes deux, là. Ah bah, peut-être par là. Pas grave, c'est Covid. Ouais, j'avoue, mais je suis pressé, quoi. Je suis pressé de ouf. Bah ouais, mais encore une fois, What the Golf, je suis pas dans le délire. Mais je sais pas, peut-être qu'on essaiera un de ces quatre. Non, moi je pensais plus à un gros jeu, genre, tu vois, je dois faire, enfin, j'ai envie de commencer Persona 5, ou alors Yakuza Like a Dragon, tu vois, mais ça c'est des gros jeux. En avril, je ferai Final Fantasy VII Remake. Je sais pas si ça intéresse du monde, mais... Merde. Mais voilà. Mais tu veux pas courir en fait, au lieu de faire haha. Merci. Persona 5, ça va te prendre 1000 ans. Le jeu dure 100 heures. Bah c'est ça le truc en fait, c'est qu'il est ultra long. Mais il a l'air très cool. Toi t'en penses quoi du jeu? Oh. Passer au-dessus, c'est cool ça. Oui, Persona, vous kiffez? Bah en vrai, j'aimerais vraiment le commencer. Persona et FF7 Remake, let's go. Persona, ouais. Est-ce que tu penses que je peux le terminer en 2 mois, Persona? Genre si je le commence maintenant? Est-ce que ça peut se terminer avant avril? Je trouve que le concept d'esprit me rappelle beaucoup. Je suis des stands. Dans Jojo? Celui des stands. Bah écoute, j'avoue que je connais ni l'un ni l'autre, donc à voir. Mais ouais, Persona, c'est clairement une possibilité.
On peut se dire qu'on... Mais... Pff. En fait, ce qui me fait chier, c'est qu'il y a Mario. Je sais pas quand est-ce qu'il arrive. Qu'est-ce que vous me conseillez? Je m'en remets à vous. Est-ce que je me lance dans Persona? Ou est-ce que j'attends d'avoir Mario et je continue ce petit jeu, tu vois? Et quoi, en avril? En avril, il y a... j'ai envie de faire Final Fantasy VII Remake. Pokémon. LOL. Et pourquoi pas Smash? Putain, eh. Vous pouvez être fiers de moi, je fais exprès de dire Smash. Ouais, toi aussi, tu confirmes que les stands, c'est pareil que les esprits de Persona? Faudrait mieux se lancer dans Persona après Mario. Bah, c'est le délire, ouais. Mais le truc, c'est quand est-ce que j'aurai Mario? En vrai, Persona, je l'ai depuis novembre. J'ai pris l'édition Royal Collector et tout. Et les gars, je l'ai trouvé à 18 balles à la place de 60 balles sur Amazon, neuve. Il y a eu une maxi promo. Je me suis dit, ok, je fonce, je réfléchis après, comme tout dans ma vie. Je dis oui et je réfléchis après. Même pour mes jobs et tout. En général, je dis, quand on me demande, ça t'intéresse? Ouais, ouais. Comme ça, c'est bon. Et après, je réfléchis et auquel cas, je ravise ma position, mais... Yes. En avril, il y a Pokémon. Ouais, mais c'est quoi comme jeu? Pokémon Unite? Moi, tu sais que c'est pas trop mon délire, ça. Mais tout à l'heure, il y avait un... Ah ouais, mais faut passer par là. Bah merde. Bon. On va retourner à la grotte, hein. C'est Pokémon Unite dont tu... Ah non, New Pokémon Snap, oui, mais bon, ça c'est pas vraiment un jeu. C'est un truc cool, mais c'est pas un jeu. D'ailleurs, je l'ai préco, mais est-ce que je vais le faire? Est-ce que je vais le garder? Je sais pas. Est-ce que je garde ma préco? Franchement, je sais pas du tout, en fait, quoi en penser. Parce que l'air de rien, il y a plein de Pokémon que je connais pas. À l'époque, c'était cool parce que moi, j'étais à fond dedans, c'était les premières gènes et tout. Puis on avait que... C'est pas comme si on n'avait pas 20 autres jeux à côté. Et 20 encore, je suis gentil. Mais non, mais pourquoi la vie, elle part comme ça, là? Yo, Cassandre, tu vas bien? Comment tu vas? Est-ce que ça va? Ta personne va bien? Non, c'est le nouveau Pokémon. Ah oui, mais alors du coup, Pokémon Unite, tu parles de Pokémon Unite? Pokémon Sam, ça peut être intéressant. J'espère qu'on pourra toujours tuer les Pokémon avec des pommes et les gazer comme... Mais attends, mais... nickel et toi? Écoute, moi ça va, fatigué de ma journée, mais content de vous retrouver et content du Nintendo Direct de ce soir, enfin. Pokémon Snap, si c'est un jeu. Non mais bien sûr c'est un jeu, mais c'est pas... c'est pas... Enfin, encore une fois, tu joues sur les mots, comme les Nintendo Direct d'hier, sur... à propos de Smash, des Smash Direct. Évidemment que c'est un jeu. Mais comprends ce que je veux dire, dans le sens où c'est pas non plus transcendant, quoi, tu vois, genre... c'est un... Merde. C'est plus un mini-jeu, on va dire. C'est comme épée et bouclier. Non, Pokémon Snap, mais qu'est-ce que tu rigoles? C'est pas du tout comme épée et bouclier, Pokémon Snap. T'as décidé de me troller, en fait, ces jours-ci, c'est ça? Comment je remonte là-haut, maintenant, en fait? Merde, je peux pas. T'as passé une bonne journée, Cassandre? T'as regardé des animés? T'es chaud pour ce soir? Mais là, en fait, je suis coincé avec ce perso. Oh, c'est chiant, en plus à chaque fois il repop là. Ah bah au pire non, au pire je peux mourir comme ça, je vais revenir au truc. Ah voilà. Non mais tu as dit que c'est pas un Pokémon.
Non, j'ai dit non, j'ai dit que Pokémon Snap c'est pas vraiment un jeu. Alors si, c'est un jeu, mais c'est plus un mini-jeu, c'est ça que je disais. Et du coup, je sais pas si je vais le garder parce que est-ce que ça va me passionner ou non, quoi, tu vois. Voilà, c'est la petite interrogation que j'avais avec moi-même. Si, c'est la même chose dans Pokémon, on tue des Pokémon, et dans Pokémon Snap, on tue des Pokémon. Avec des pommes, mais quand même. Ouais, mais le but premier de Pokémon Snap, c'est pas de tuer des Pokémon. Et en plus, on les tue pas vraiment, les Pokémon, on les met KO. Après, ils sont revigorés. Non, Nintendo l'ont dit. Qu'est-ce qu'il y a Nintendo l'ont dit? De quoi Nintendo, qu'est-ce que Nintendo a dit? Je voulais prendre éventuellement un cœur, mais en fait j'en ai perdu un. Génial. Génial. On adore. Là, à mon avis, il y a un truc là. Une porte, genre. Et je vais où avec... Ok. Je savais pas qu'avec elle aussi on pouvait voler. Normalement on peut voler mais avec le type E. Si on les tue avec des pommes, puis on les casse, tu vois, comme la cerise contre les jaunes. Tu vois ça par exemple ce soir. T'évites. STP. Mon bon Elias. Surtout en vocal. Même si oui, je suis d'accord. Et je suis pas du tout à défendre qui que ce soit. D'ailleurs, bref, on va pas se lancer là-dessus. Mais ouais, de ouf. Essaye d'éviter ce soir de faire ce genre de troll. Ah, attends, est-ce que c'est par là? Ou alors, peut-être par là? Non, là c'est le petit. Ah mais attends, elle est là. Ah non, c'est la. Ouais, c'est pas elle. Nintendo a dit que Pokémon Snap est du même niveau que... Ah, du même niveau. Mais c'est pas le même genre de jeu. Encore une fois, Nether. Désolé, en ce moment on est peu d'accord, mais. Mais par pure logique. Pokémon Snap, le but c'est de prendre des photos de Pokémon. Épée et bouclier et Let's Go, c'est un jeu Pokémon, c'est des jeux mais Pokémon normaux. Prendre des photos de Pokémon, c'est pas du tout la même chose que. Yeah! Bon, bah, au final, on a réussi. J'aimerais ouvrir une chaîne gaming où je parle comme ça. Oh, tu parles comment? Comme avec tes trolls? Bah rien ne t'empêche de le faire, mec. Bonjour, seriez-vous intéressé par mes cartes rares et mystérieuses? Achetées en passant de batterie. Et ça sert à quoi? Wesh. Ah, c'est... Ok. C'est... Ça me dit qu'il y a des... Ouais. Genre c'est aussi gros. De quoi? Tu parles de quoi, Nether? Regardez ce qu'on se disait l'autre jour avec DJ, on dirait trop Rafiki. Vous trouvez pas Rafiki dans le royaume? Ah lui j'avais pas encore vu. Oula. Oula. Mais ce qui me fait chier, c'est que là, j'ai vu plein de possibilités avec plein de persos, mais... Tu vois, par exemple, là, je dois être avec le gros pour
pour défoncer la porte, mais pour l'amener ici, j'ai aucune idée. Alors, je n'ai jamais regardé le Roi Lion. Ah, mais c'est ce que j'allais vous demander, si vous aviez regardé le Roi Lion, mais je me disais, mais quelle question, c'est une question débile. Évidemment qu'ils ont regardé le Roi Lion. Donc, t'as jamais regardé le Roi Lion? Ah, quand même. J'avoue qu'il y a des fois où... C'est pas étonnant que certains classiques t'aient pas regardé, mais alors le Roi Lion, quand même. Après, non, c'est vrai que vous êtes très jeune. Enfin, vous êtes jeune de cette époque. Donc, bon, c'est pas forcément étonnant. Les autres, vous avez regardé le Roi Lion ou pas? Ça se trouve, c'est pas choquant. Hein. Enfin, c'est pas choquant, quoi qu'il arrive. Mais dans le sens où... Peut-être que tous les autres l'ont regardé et diront, ah bah quand même, le Roi Lion... Qui n'a pas vu le Roi Lion? Tu vois ce que je veux dire? Saloperie. Ok. Le détour qui sert à rien. Ah, j'ai envie de tenter un truc. Moi, j'aime pas les Disney. Ah ouais? Ah, j'aime beaucoup Disney, Pixar et tout. Là, je me suis abonné à Disney Plus il y a un mois, là. Ou deux. Pour Star Wars, Marvel et Disney. Et Pixar. Bon, bref. Et franchement, c'est un plaisir. J'adore, moi. Ok, t'aimes pas les Disney? Parce que c'est des animaux qui ont été forcés de parler français à cause des humains. De parler français. Je parle pas forcément français, mais... Alors, je sais que tu trolles, mais... Mais c'est drôle que tu utilises cette explication pour à propos des animaux, tandis que vendre des animaux à une animalerie, il n'y a pas de problème. Mais ok, donc Nézard, t'as pas vu le Roi Lion non plus. Et Cassandre, est-ce que t'as vu le Roi Lion? Merde. Il est peut-être plus là d'ailleurs, Cassandre, ça fait longtemps qu'il parle pas. C'est marrant d'ailleurs, j'ai remarqué que des fois il vient, il dit bonjour, et après il parle plus, ou alors il part. Vas-y, moi j'y vais, je reviendrai à 22h30. Vas-y mon gars, je te souhaite une bonne soirée en attendant 22h30. Et putain, bah, trop cool quoi. Ça va être GG. Ça va être Sissi la famille. Ça va être GG la MIF. Ça va être Jones in the house. C'est le mec. J'essaye à tout prix de faire des trucs de merde. Jamais j'achète d'animaux. Je les adopte. Bah t'as bien raison Elias. Tu es un homme sage. Si je l'ai vu, j'aime juste pas. Ah t'as vu le Roi Lion et t'as pas aimé? D'accord. Putain, mais vorace, vous! Écoute. Il faut tout pour un monde, hein! Roi Lion, quand même! J'ai beaucoup de Disney, mais j'aime pas. Après, il y a beaucoup de Disney dont je suis pas fan non plus. Genre, là, tu vois, par exemple, sur Disney, je regarde plus les films d'animation. Je regarde pas les Cendrillon, etc. Belle au bois dormant, c'est. Enfin, ça va. Le Roi Lion, ça, c'est quand même. C'est quand même au-dessus de tout ça, tu vois ce que je veux dire? Parmi les classiques Disney, on va dire, j'aime bien le Roi Lion, j'aime bien Tarzan et tout, mais enfin, si je devais en retenir qu'un, c'est Roi Lion, clairement. Après, dans les Disney films d'animation, genre Pixar, DreamWorks et tout, actuellement, c'est un autre level. Il y a différentes mesures de lecture, c'est vraiment différent. Tu vois, genre, bon, c'est Pixar, mais Soul, là, qui est sorti, mec, il fait partie de mon top 5 de films préférés ever. Allez, j'y vais. Vas-y, mon gars. Tu peux répéter ce que tu as dit, s'il te plaît, sur le truc que je viens de mettre, car j'ai appuyé sur le notif de Colas, bim, sans faire exprès, car je voulais juste les enlever. À propos du fait que tu n'achetais pas les animaux, que tu les adoptais, ben, je disais que tu es un homme sage et que c'est très bien. Tu as bien raison de... Tu as bien raison. On n'achète pas des êtres vivants. Quel qu'il soit, encore une fois. Donc, ben, bravo. Même si je devrais pas te féliciter, je te félicite. Merde.
Oh, ça va. Et sinon, à propos du truc de Nether, je sais pas si t'as entendu, mais je disais que s'il fallait retenir qu'un Disney classique, pour moi, ce serait Le Roi Lion. Si, en 1800. Oui, mais même encore maintenant, tu sais. C'est ça le problème. C'est que même encore maintenant, on achète des êtres vivants, que ce soit des humains ou des animaux. Mais c'est pas bien. Mais ta race ! Je dis beaucoup ta race, c'est pas bien. Après, en soi, c'est un singe. J'ai pas de... Yes. Racisez-vous. je racise les vraies races, les animaux, quoi. Le singe est une race. Mais sinon, non. Je ne suis pas du genre, pour le coup. Mais je pense que ça, tu l'as compris. Bon. J'ai pas envie d'engager le combat avec cette tempête. Bon, c'est pas ici qu'il faut aller pour l'instant. Pourtant, si, c'est par là, quoi. Comment je peux atteindre ce château? Là, c'est fermé. Si, il faudrait passer. Je commence à dévoiler pas mal de la map. Hein. C'est Cola, pas Colas. Ah, on dit Colabim. Pardon. Oui, mais je suis con, en plus je sais qu'on dit Colabim. J'ai dit Colas. J'ai dit Colas Bim. Ah, c'est vrai que c'est bizarre. Elias. Comment je vais pouvoir avancer? Oui. Toi, t'as toujours pas commencé Hades, toi, Elias? Faudrait vraiment que tu le fasses un jour. Hein. Ça reste quand même un peu cher à l'heure actuelle, quand même, mais depuis... Enfin, là, il était pendant une semaine à 20 balles à la place de 25. Fait déjà ça de prix. Mais si à l'occasion, tu le trouves pas trop cher... je sais pas quand, et que t'as l'occasion de le prendre, et ça te... je suis sûr que ça te tenterait de ouf. Ah, faut peut-être que je redescende par là, là, il y a une ouverture là. Ah non, peut-être tout simplement. Merde. Peut-être tout simplement par là en fait. Oh, c'est chiant cette vie qui descend. Bah ouais, mais c'est là en fait. J'avais pas. Vérifie avant s'il n'y a pas des coffres. Ah bon, j'aurais pu venir par là. Là. Moi, j'ai hâte d'être ce soir, vraiment. En fait, je suis dans une euphorie, en mode... C'est bizarre, mais je... Genre, je sais, j'ai même pas l'impression que c'est réel, en fait. C'est un mélange entre Zelda et
qui n'a pas... Ah non, j'ai oublié, c'est la même chose. Ah oui, c'est totalement inspiré de Zelda. Par contre... L'idée serait de... Putain, faudrait qu'il vienne exploser là. Explosez, s'il vous plaît. Merde. Oh non, les deux ennemis. C'est un mélange entre Zelda et Genshin Impact. Ah non, j'ai oublié, c'est la même chose. D'ailleurs, Genshin Impact, je me suis longtemps demandé si je devais pas me lancer, mais en fait, pareil, c'est beaucoup trop... C'est beaucoup trop... Viens, STP, toi. Chronophage. Mais tu vois, j'aimerais me lancer dans Mario avant de faire Persona, comme on disait tout à l'heure, hein, mais... Encore faut-il qu'il me le livre. Et tu sais que j'hésite de ouf à garder ma version Day One de... De Little Nightmares, parce que j'ai vu déjà, elle se vend déjà plus cher, même neuve. Et en plus, même toutes les éditions de... Apparemment, il a grave marché le jeu. Donc toutes les éditions, elles se vendent cher. Donc est-ce que je le garde ou pas? Je sais pas si je le renvoie, vu que je l'ai déjà fait. Ça voudrait dire qu'au lieu de payer le jeu 20 balles, j'aurais payé 55 balles. C'est con. Mais bon. J'aime pas Genshin. Moi, ça me tente un peu, en vrai. Tu vois ce que je veux dire? Franchement, les graphismes me tentent. Et le délire, bah, c'est pas mal, tu vois. Putain, faut qu'il vienne jusque là. C'est le seul moyen parce que... Ah putain. Ah si, je peux peut-être faire ça. Ah bah voilà. J'avais pas vu que je pouvais les balancer sans qu'ils explosent. Propre. Con de truc. Putain, ils sont beaucoup. Hein. T'as essayé toi, Genshin Elias, ou t'aimes pas, t'es sûr de pas aimer? Mais on n'est pas déjà passé par là? Il me dit un truc. Je suis sûr de pas aimer. Ah ouais, ok. Bon après, faut avoir confiance en ses goûts. Hein. Oula. Est-ce que je fais bien de m'engager ici? Non. Parce que j'ai déjà... Ouais. Y a rien à voir ici pour l'instant. Je reviendrai, mais... Putain, par contre, pour arriver ici, faut le vouloir, hein. Ah, peut-être que d'aller là-bas. Attends, y'a quoi là? Pour moi, c'est juste un vulgaire Immortals 2.0. Ouais, oui, oui. Mais non, parce que Immortals, il est sorti après Genshin. Mais c'est surtout un Zelda. Plutôt ça, non? Ah, comment je fais pour monter là? Merde. Il me faut l'autre perso. Ça fait rien. Boum. Headshot. Bon.
En fait, j'évolue avec cette perso de cette personnage depuis tout à l'heure, mais puis en plus c'est pas là qu'il faut que j'aille, je suis con. Bon, au moins j'ai des idées pour plus tard. Moi je pense que là, il y a quelque chose à faire. Mais il me faudrait que je vienne avec un autre perso ici, putain. Genre elle. Mais est-ce que je peux? Oh, elle est loin. Comment je suis arrivé si loin avec l'autre perso? Il fait tout ça? Oh. Avec elle ou le type? Plus elle. Oh, ça va être chaud. J'ai écouté le morceau Darkness de Eminem. Ah ouais, j'ai beaucoup aimé. Il est bien. Hein. Le fait qu'il se met à la place du coupable pour démonter la stupidité de la loi sur les armes. Ouais, il est très engagé, Eminem, depuis. En gros, depuis Trump, il est archi engagé. Avant, il disait de la merde quand il le souhaitait, mais là, justement, il est même peut-être un peu trop engagé. Ce qui n'est pas forcément un mal, mais tu vois ce que je veux dire. Après, t'as écouté alors tout ce qui est dans Curtain Call et tout? Mec, franchement, cet artiste, c'est tellement le GOAT pour moi, vraiment. J'aurais écouté des sons. Qu'est-ce que j'écoutais l'autre jour? Je sais plus. Qui est dans Curtain Call aussi. Et je me suis toujours fait cette réflexion, en fait, genre. Limite, l'instru se plie à lui, quoi. Genre, c'est lui qui fait l'instru, et l'instru, elle rappe sur lui, quoi. Enfin, c'est impressionnant ce qu'il est fort, ce mec. Même si, sans faire le vieux boomer, je trouve que c'était mieux avant. Mais ça veut pas dire que c'est pas bien maintenant. Tu vois ce que je veux dire? Ah putain, mais c'est vrai, je peux me TP qu'au truc que j'ai vu. Ah, je suis obligé. J'espère que je vais pouvoir. Mais ouais, Darkness, il est bien. Ah, je peux les ramasser. C'est bien ça. Ok. J'ai aussi apprécié les doubles sens entre l'alcool et les armes. Oui, il est très fort, il est très très fort pour tout ce genre de trucs. À faire, on croit qu'on parle de quelque chose et en fait on parle d'autre chose. Bien sûr, c'est un génie. Hein. Et du coup, tu m'as pas dit, t'as écouté un peu les. Curtain Call? Est-ce que ça sert à quelque chose tout ça?
Il parle de shot pour la volcan, mais aussi pour les gunshots. Ah, c'est fort, ouais. J'avais pas fait forcément attention. Mais ouais, ouais. GG à lui. Ça sert à rien, en fait. Qu'est-ce qu'il me chante, lui? Yes. Oui, t'as écouté, c'est vrai. Et alors, quels sont tes anciens sons favoris? Là, c'est la grotte dans laquelle j'étais coincé tout à l'heure. Merde. Ah non, mais attends. Je suis pas forcément amené à être coincé. Ah, mais d'ailleurs, j'ai une idée. Attends. Il y avait pas un pont tout à l'heure? My name is without me. Real Sim Shady, lose yourself. Ouais, bon, allez, forcément, hein. Et Just Lose It aussi, non? Les trucs efficaces. J'ai un peu moins aimé. Ah, c'est vrai? Pourtant, ça ressemble beaucoup à Without Me et tout. C'est drôle. Ouais, c'est là que je voulais. Ah, ok, je crois, je comprends. Je peux, en fait. Je vais tester ça. Merde. Ouais, je sous titre, ça ressemble beaucoup à... au jeu dont... au titre dont on parle, mais ouais, bah écoute, t'as moins aimé, hein, peu importe. Tu es indigne de mon affection, mais c'est pas grave. Y'a aucun problème à ça. Moi, je suis pas là pour juger. Juste, t'as pas de goût, mais... c'est pas... Without Me, il a plus ce train de coller dans la voix, ce crin. Non, non, mais je comprends, je comprends ton avis. Crin de folie, brin de folie, non? Du coup. Bah, enfin, putain. Pas facile. Saleté de correcteur. Là, t'as écrit ou t'as parlé? Non! Lâchez-moi un peu! Mais ta race! Est-ce que je peux les faire se taper entre eux? T'as écrit? Ouais. Comment tu décides si t'écris ou si tu parles? C'est en fonction de la situation dans laquelle tu te trouves, s'il y a des gens autour de toi? Ah, ça me fait perdre de la vie, ok. Carrément. Ah, mais voilà. Lourd. Juste car j'écris folie avec deux L. Ah, c'est pas bien. Hein. C'est
C'est pas comme ça qu'on écrit, hein. Après, à part ça, tu fais pas de faute. Ah. Je rêve. Putain, le caddie, quoi. Faut que je fasse un emote caddie aussi, tiens. C'est le mec qui s'arrête jamais dans ses emotes. Oh, ils me font chier, hein, tous, là. Et ils se tapent entre eux. Mais alors, du coup, est-ce que là, il y avait un truc à faire? Là, je pourrais monter, mais grâce à... à l'ennemi qui me permet d'aller... Je peux pas l'utiliser, celui-là? Pourquoi il vole pas? Là, il me faut l'espèce d'araignée qui va dans le sol, là. Le crabe. Ouais, le caddie. Le caddie avec un S, le fameux. J'ai mis le replay sur YouTube, mais j'ai coupé le début du coup parce que c'est débile, on nous entend pas. Ce con de streamer n'a pas mis le son, quoi. C'est dingue. Ce soir, faut que je le mette, hein, si on parle. Mais encore une fois, si ça part en couille, je le coupe. Et je le remets quand ça... Je propose d'utiliser cette orthographe. Le caddie. C'est dégueulasse en plus comme orthographe. Quel qui se pose, c'est sûr. Boum. C'est pratique, hein, putain. Mais à quoi ça va me servir d'aller là? À rien. Ah merde, j'aurais pu le récupérer. Merde. Tant pis. Tant pis, Tados. Eh oh. Je rêve. Tu vois, c'est sympa comme petit jeu, Elias, t'en penses quoi? C'est drôle, quoi. C'est Zelda, quoi. J'avais oublié qu'il y en avait autant. Ouais, je voulais le récupérer, mais ça marche pas. Oui, je sais, mais je trouve pas ces trucs qui m'intéressent. Et je saurais pas les finir. Je trouve pas. Oui, je comprends. Je comprends, c'est pas non plus transcendant. C'est un peu en deçà. C'est pas non plus le jeu de l'année. Mais pour le coup, moi, ça me fait passer le temps. J'aime bien. Et tant que je suis pas bloqué, c'est un jeu d'aventure, quoi. Pour 3 balles, honnêtement, tu vois, ça va. Après, oui, c'est pas... C'est pas Paper Mario Origami King, quoi. Putain de merde. Mais du coup, ouais, faut que je réfléchisse si je fais Mario... ou Persona. Des jeux qui m'ont beaucoup plus intéressé comme What the Golf. Ouais, mais je suis pas dans. Encore une fois, hein, je suis pas dans le mood. Ça, c'est con, j'étais juste à côté. What the Golf, pour le coup, c'est vraiment un mini-jeu, quoi. Ah, j'ai envie d'aventure. C'est pour ça que je me suis un peu lancé là-dedans, tu vois. J'ai envie d'aventure, donc il y a ça, et puis il y a aussi. Persona ou quoi, tu vois.
des vrais jeux qui te tiennent. Toi, par contre, vraiment, tu me saoules. Hop. Merde, quel con. D'ailleurs, il faudra que j'aille regarder l'épisode 2 du Let's Play de Super Seducer 3 de Fred. Très bien. C'est si bien que ça? Merde. Mais comment il a fait pour remonter lui? Mais je kiffe. Bah écoute, c'est très bien si tu kiffes alors. Ça me saoulait cela. Vraiment, genre, je vous le dis. Le problème, c'est que ça me fait perdre de la vie. Ah non. Forcément, il y a quelque chose là pour le coup, non? Ok. Faut venir avec le petit. En plus, je kiffe. Car Fred, quand il y a une réponse labo, il fait comme si c'était la vérité. Ah bah, il a plus rien à prouver. C'est un bon mec. C'est un bon entertainer. Lâche. J'amène le petit ici, quoi. Oui, mais si les munitions sont bien. Bah oui, c'est ce que je viens de dire. En fait, il faudrait que lui, là... Ah! Je sais même pas si... Pourquoi je peux pas? Bah... C'est bizarre ça! Je peux pas utiliser ça? Ah bah voilà! Je vais voir s'il y a quelque chose ici, mais... Ah, faut que j'arrive ici avec le petit, quoi. Ah bah non, ça change rien. Bon, faut que je cherche en bas, s'il y a quelque chose. Non, tu viens de dire que c'est un entertainer, et pour moi, un entertainer, c'est pas JDG. Non, mais alors je voulais dire c'est un mec... C'est un bon créateur de contenu, si tu préfères. Tu préfères le mot? Est-ce que j'ai le droit de dire qu'il est stylé? Ou ça, c'est compliqué quand même, faut pas abuser. tu vois, là par exemple, ça me saoule. Et ça me saoule. Parce que là, il faut que je fasse venir le petit. Mais alors, je vois pas du tout comment. Il est stylé. Putain. Oh, t'imagines? On a le droit de dire ça. J'ai le droit de dire qu'il est stylé. C'est quand même fou. Toujours pas fait les mots de stylé, et d'ailleurs je devrais grave le faire parce qu'elle pourrait être utilisée tellement de fois sur le Discord. Puisqu'il
si de toute façon on n'a pas assez de slots. Mais ouais, faudrait que je fasse les modes stylés. Là il y a la cave, ah oui là ça sert juste à aller au... Ouais. Ouais, en fait si c'est bon, j'arrive à peu près à rejoindre là où il faut aller. Juste là qui me fait un peu plus peur. Putain il m'a même pas... Ouais, c'est ça le problème, c'est que il s'arrête. En plus il me poursuit, putain. Faudrait que j'ai un truc qui... Ah ça. Voilà. Ah bah en fait... Il y a des moyens. Il y a toujours des moyens. Ah oui mais non en fait. Merde. Non tu dois pas connaître mais... La barbe de Papy Grenier, mais qui a aussi la perruque de JM Bruitage. Non, j'ai pas du tout les refs. Ils l'ont pas changé et lavé depuis 10 ans. Waouh. Donc à l'intérieur, c'est moisi, mais continue à la mettre quand il y en a besoin. Ah putain. Ah, c'est ouf. Ah, moi, ça me. Je pourrais pas. Yes. Mais. Mais non, j'ai pas les refs, mais c'est dommage. C'est vrai que je pousse pas trop le. Enfin, le truc, c'est qu'encore une fois, je me lançais maintenant dans l'univers du JDG, c'est chaud quoi. J'ai raté le créneau. Mais c'est fou qu'il utilise cette barbe. Je suis en train de me faire un marathon de tous les épisodes dans l'ordre chronologique de sortie. Ah ouais? Ah ouais, t'as la foi. Ah mais putain, j'aurais pu aller là. Avec la nana. Attends, on va faire ça. Je vais claquer et on va faire ça. Tu m'as dit qu'il y a des rêves que j'ai pas. Des rêves que j'ai pas. Ah ouais, si même toi t'as pas des... Il y a certaines rêves que t'as pas. Il a fait combien de vidéos? Ça, il a dû en faire beaucoup, non? Plus d'une centaine, mais moins de 200. Ah ouais, quand même. Ça fait beaucoup, là, non? S'il est pas prêt de s'arrêter. Ouais mais tu savais que les trois premières années JDG les vidéos n'étaient pas monétisées car ils savaient tout simplement pas que la monétisation... Ah non je savais pas putain. Oh, il a dû halluciner. Ah. En fait il sait vraiment ça pour le kiff quoi. Et c'est beau. Il est stylé. Oh non.
Bon. J'ai dit ces deux personnes en soi, Seb et Fred. Ouais, ça je savais par contre. Au début je savais pas, mais maintenant je suis au courant. Mais l'idéal serait de tester ici. Comment je peux faire pour aller là? Faudrait que j'arrive à monter avec la nana. Mais pas elle, l'autre. Est-ce que tu dirais que c'est ton youtubeur préféré, enfin, ta chaîne YouTube préférée, le JDG? Ah mais je suis jamais venu ici. Ah, parfait. Mais il faut savoir que même au tout début, ils étaient au moins 4, il y avait Nico son et Karim sur la réalisation avec Fred et Seb. D'accord, tu m'apprends quelque chose. Je t'avoue que pour le coup, comme je m'intéressais pas du tout à son à leur univers, à quoi ça pourrait me servir ça? Ah ok, j'ai le délire. J'ai capté le délire. Merde. Mais est-ce qu'il y a besoin de cette nana là-bas ? Tu vois, je me demande, est-ce que... C'est sûr, c'est qu'il y a besoin de elle. Après, je pourrais faire quelque chose ici. Ok, ça ouvrirait un des trucs. Ouais, faut que je ramène l'autre nana, c'est sûr. Mais là, faut que j'allume ça avec elle. Mais comment ? Ah, j'ai peut-être une idée. Hop. Ouais, on va faire ça. On va essayer. Meilleure la vidéo de 11 ans qui me fait en tout 1h20 sur plus de la moitié de la vidéo. C'est la fiction, ce qui reste, c'est peut-être... Mais après, faut apprécier l'univers du JDG, je pense. Yes. Putain de merde. C'était l'autre. Je vais tenter un truc. Pourquoi ça n'a pas marché?
Bon. Est-ce qu'on tenterait pas directement là ? Bon, non. Putain. J'ai pas le délire. Je peux pas. C'est chiant que je puisse pas faire le truc là. Ça me sert à rien du coup. Je m'étonnerais, mais. Ouais. Ah, par contre, je peux peut-être faire ça. Ça peut être intéressant. Ah, je peux pas. Merde. Ah, les boules. De toute façon, en soi, juste un coffre, même si j'aimerais bien l'avoir. Ah, c'est chiant ce petit bug. Ah merde, c'est pas ce que je voulais. Est-ce que je peux l'utiliser à bon escient ? Je suis pas sûr. Bon, à part avoir la clé, ce qui est déjà pas mal. Vas-y, moi je vais aller, je pense venir à 22h30, c'était bien, c'est pas... Bah grave, bah écoute, bonne soirée jusqu'à 22h30 et on se retrouve à 22h30, alors ça va être trop cool. Et quelle heure là, 20h30? Ouais, déjà. Je pense que je joue encore une demi-heure et voilà. Bah ok, Elias, à tout à l'heure alors. Ou alors je vais arrêter maintenant parce que je sais pas du tout quoi faire. Et je suis fatigué. Je vais faire ça. Ciao. Je sais pas, il y a du monde encore sur le live ou pas? Parce que du coup je pense que je vais arrêter maintenant. Pour me reposer un peu d'ici 22h30. Pour être en forme pour le Big N. Et puis bah pour manger un peu aussi. On va faire ça. Bon bah les patounes, je vous dis bonne soirée.
À très vite, à tout à l'heure pour ceux qui reviennent. Et voilà.